Ça nous est déjà tous arrivé d'entasser des jeux sur Steam. Et bien souvent notre réaction c'est bah je sais pas quoi lancer dis donc. Et dans le tas il y a des jeux que vous lancerez jamais, j'en suis certain. C'est mon cas, je suis certain il y a des jeux que je lancerai jamais, sauf si je me donne l'objectif de les tester en vidéo. Salut, c'est Metablaze et aujourd'hui on va jouer à Beaches, tant qu'en faire. C'est un jeu de survie. Bonne nouvelle, il est gratuit. Mauvaise nouvelle, il est en développement depuis 2021. Les évaluations du jeu m'ont l'air très mitigées. Pas forcément sur un jeu en développement, je m'attendais pas forcément à trouver des serveurs. Il y en a pas, c'est un jeu multijoueur visiblement. Ah, j'ai réussi à créer une partie, à première vue. Bon, déjà ça lag pas, c'est cool. Et genre on débarque à poil sur la plage. Alors par contre, j'avais changé les paramètres du jeu, là, l'audio. Qu'est-ce que tu me fais, le jeu? Les contrôles ont l'air très basiques pour l'instant. Alors oui, du coup, alors avant j'avais des oreilles, c'était avant. Sinon il se passe quelque chose dans ce jeu, on peut récupérer des choses. Parce que je peux pas interagir avec mon inventaire, hein. T'es en train de me dire que c'est en développement depuis 2021? On est en 2024? Non mais j'ai changé mon crosshair, il a vraiment pas sauvegardé toutes mes touches. Non mais, pourquoi? Y'a rien qui va dans ce jeu. Ah oui, c'est plus de l'early access, ça c'est de l'early access. Ouais, ça lag en plus. Tu te fous de moi? Et je quitte la zone, ça lag plus. C'est n'importe quoi. C'est fini. On a fini le jeu, je crois, hein. Mais fallait me le dire. En fait, tout ton inventaire, tu fais clic droit sur l'objet pour le sélectionner. Comment j'étais censé le deviner? Ah bah voilà, poulette. Ah voilà, là il se passe des choses. Ta. Peggy, reviens. Ça marque à ça. Mais ça lag encore. Très bon le jeu optimisé, toi. Rien à foutre, on va tout mettre en low. Non mais j'ai une GTX 1070, à quel moment l'encodage est en surcharge? Ce n'est pas possible. J'ai peine à y croire. Sinon j'avais de la musique dans le menu, il n'y a même plus de musique dans le jeu. Oh, des munitions, je prends tout. Oh mais il y a d'autres choses là-dedans. Kit de soins, Molotov. Et en plus, normalement on peut crafter des choses, hein, mais depuis tout à l'heure je fais que looter. Enfin, je suis en solo, hein, ça a moins de gueule, hein, forcément. Oh bah oui. Voilà, avec une hache, je peux couper du bois. Oh, il y a l'air d'avoir du matériel militaire par là. Ouais, enfin, j'espère que cette fois-ci, je vais arrêter de trouver des balles. Parce que moi, j'ai rien à avoir des pistolets. Bah, je sais pas, genre... Ah, bah oh, il y a quelqu'un. Ah, bah, il y a carrément des gens, en fait. C'est un PNJ, ce n'est pas un joueur. Bon, faut que je gère ma tête, ma santé, moi. Oh, bah, j'appuie sur I, je pensais que ça allait faire un autre truc. Ah, je peux me give des items. What? Ça fait aucun sens. Mais oui. Mais fallait me le dire depuis le début. Attends, mais je vais me give une épée, une machette et tout. Oh, je vais tout prendre. On s'en fout, on n'a pas appris la technologie. Par contre, on a appris à débloquer des armes avec de la triche. Mais le pire, c'est que j'ai juste appuyé sur I et je suis tombé sur ce menu. Ouais. Ah, faut que je recharge. Vite. Faut que je me soigne. Oh, mais ils sont plusieurs. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah, j'ai paniqué, j'ai sorti le bazooka. Par contre, c'est chiant, faut se rééquiper à chaque fois. Faut changer d'arme, faut se l'équiper. Et on peut pas faire ça directement depuis le menu, c'est un peu chiant. Boum. En rentre dans un parc, ça fait des marqueurs, chaque fois je leur tire dessus. Parce que c'est pas ajouté au montage. Hein. Ah, c'est sûr que là, avec des cheat codes tout de suite, il y a moyen que ça devienne fun. Je suis équipé pour tuer maintenant. Ah, Ah oui, à coup de 47, tu m'étonnes. Ah non, je suis mort. Mais j'avais une armure en militaire, je comprends pas. Ah non, je respawn de tellement loin. Karma. Oh, un poulet. Quoi? Mais le poulet, il résiste à une balle de Scar? C'est pas normal. Il y a du monde ici. Enfin, il y a surtout des ordures. Il y a une caisse. Ah, mais il y avait un colt dedans. Ah ben voilà, en fait, c'est pas si compliqué de ça de trouver des armes. Mais c'est vrai que sur son fonctionnement, ça fait beaucoup penser à Unturned. Bon, ça manque un petit peu de zombies. Je crois qu'il va y en avoir. Mais vu que le jeu est en early, bon, pour l'instant, bah, il y a vraiment pas grand chose, quoi. Bon bah c'était la station service, on va aller voir un autre lieu. Ah bah on arrive au motel, tiens. Ah mais il fait nuit, on voit rien. Oh bah c'est hostile. Ah ouais d'accord, tu veux te battre c'est ça? Bam. Meurs toi aussi. Boum chakalaka. Alors je viens, le principe c'est de survivre, mais genre on peut discuter peut-être. Enfin bon, je dis ça, je négocie pas avec les terroristes, hein. Parce qu'on sait nager. Oh, le son du jeu qui est giga fort d'un seul coup, pourquoi? Et on vient d'arriver à supermarket, j'ai cassé le jeu. Ah oui, genre je suis allé dans l'eau, les sons du jeu sont revenus haut. Et en fait, du coup, j'ai réactualisé le son dans ça. Ça fait aucun sens. Ah, c'est un mannequin, j'ai vraiment cru qu'il y avait vraiment des gens. J'ai remarqué qu'on pouvait pêcher. Allez, on va essayer de la pêche. Est-ce que la pêche c'est bien? Est-ce que la pêche est de la merde? Réponse, dans quelques instants.
Ah si, ouais, ça met du poisson dans l'inventaire, mais bon, l'animation elle est pas folle quoi. Je me dis que depuis le début, le jeu est vide. Bon, c'est une early access. Toutefois, c'est pas très excusable parce que le jeu est en développement depuis 2021. Faudrait être un petit peu avancé. Force est de constater qu'avec ces graphismes-là, on pourrait clairement avoir mieux, voire même avec encore plus de features sur Roblox. Genre, c'est même pas une vanne. Je vous le dis tout de suite, je m'attends à être très déçu. Chier de la merde, je le savais. Bon bah ça y est, on y est hein. Ouais, y'a un Gus, on peut lui parler. On peut lui acheter des armes. Mais c'est pratique tout ça. Moi j'ai un truc qui s'appelle un menu de cheat. Eh bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Non mais sérieusement, je suis revenu au menu, tout s'est remis par défaut, regardez. Ça lag, mon perso s'est remis par défaut. Le son aussi. Pourquoi? Peut-être que ça ne paraît pas avec le montage vidéo, mais j'ai joué pendant plus d'une heure. Oui, oui, plus d'une heure à jouer dans le vent, oui. Mais au moins une chose est sûre, je ne retoucherai plus jamais à ce jeu. Déjà, à partir du moment que le développement n'avance pas, tu vois, ça bloque. Mais au moins, ça m'a permis de jouer à un jeu qui était dans ma bibliothèque Steam depuis un petit moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt cette semaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! We'll be right back.